Bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de YouTube. Et aujourd'hui on se retrouve pour... du Pokémon. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une ouverture, bah oui, ça fait... Depuis le duel du pire versus le meilleur. Pour nous ça fait très longtemps. Ouais, exactement, donc faut pas hésiter à mettre un maximum de pouces dans les commentaires, à nous dire si ça vous plaît. On retourne chercher la famille du petit Rayquaza brillant que Kim avait packé. Incroyable. Donc, incroyable. Destiné au culte alpha. Mais, la meilleure vidéo récente qu'on a fait, oui. Bon, à part le petit Dracfeu dans les minitines, mais avec la... Ouais, en voilà, avec la gueule, fin, non, c'était du coup, on a envie de retenter l'expérience. Ouais, bah parce qu'en fait, c'est une extension qui est quand même assez ouf. Hein, oui. C'est la première extension avec des shiny du style destiné au culte. Si je me trompe pas, c'est la destinée occulte alpha, en oui, gros, c'est sorti juste avant. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, on va chercher. Il y a Jirachi, il y a. Donc, Rayquaza, ça serait bien d'avoir une autre fois. Il y a Mew, il y a aussi Volcanion, que moins ouf. Hein, je crois qu'on l'a quelque part. Et puis, il y a aussi les GX, il y a aussi Raichu. Il y a les foulards. En arc-en-ciel. On les a ressortis. Si, on pourrait avoir Mewtwo arc-en-ciel, je sais plus si il est. Non, mais il y a Raichu arc-en-ciel. Il y a des trucs plutôt cool. Donc, on espère en avoir aujourd'hui. Les gens vont mettre un maximum de pouces bleus. Et faut s'abonner à la chaîne. Voilà, on compte sur vous, hein, bien évidemment, pour arriver déjà à 900 000. Je pense que là, ça va se faire dans. Dans 28 000 abonnés. Ouais, c'est énorme. C'est dingue. C'est assez incroyable. Ça super vite, c'est et les gens, le million bah, arrivera dans la foulée. On espère que tout se passera bien. Et merci à tous ceux qui s'abonnent et qui mettent des commentaires d'encouragement. Et puis, franchement, on a été assez nostalgiques ces derniers temps. Et, et franchement, ça fait plaisir parce que vous aussi. C'est un truc qu'on avait jamais fait des certaines choses. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas. Voilà. On a du temps en ce moment, vu que Nintendo sort pas beaucoup de jeux et qu'il n'y a pas de grosses nouveautés en termes de jeux. Bah, on a hâte, c'est peut-être la semaine prochaine. Et en carte Pokémon. D'ailleurs, les gens, il y a de la nouveauté qui sort. Oui, il y a la nouvelle extension qui sort demain au Japon. Silverlance et je sais plus, il y en a deux. Dark ou un truc sombre, je sais pas. Et en gros, c'est Silveroy, donc le lapin sur un autre cheval, je sais pas quoi. Mais ça va être dingue. C'est assez stylé. Il y a des cartes gold plutôt pas mal. Et donc, on va être au rendez-vous parce que alternatives de ouf. Je pense qu'on ouvrira ça d'ici 10 jours, le temps de recevoir ça du Japon. Ça dépend les colis. Voilà, exactement. Donc, on en fait un chacun ou on fait le duel? Zoroar contre Marshadow. Vas-y, je prends Marshadow, je prends Zoroar. Mais je commence alors. Ouais, ce qui m'a le plus de chance sur cette extension, elle avait eu pas mal de chance. Hein. J'avais eu pas mal de chance la dernière fois. Donc, vous avez eu un tri-pack, ce sont des tri-packs, les gens. Oui. Alors, vous faites pas avoir, ils sont ressortis. Oui. J'ai l'impression en quantité largement suffisante, parce que moi j'ai pu en commander beaucoup il y a quelques temps. Et j'ai vu sur eBay qu'il y en a qui revenaient à des prix corrects. Parce qu'il faut savoir qu'il y a quelques mois, c'était encore 40 euros cette chose. Là, vous pouvez en trouver dans les 20-25 euros facilement. Oui. Donc, achetez pas ça trop cher. Voilà. Mais du coup, le paquet Légende Brillante a un petit peu décoté. C'est pour ça que c'est un peu bizarre ces séries. Donc, Légende Brillante, Destinée Occulte, Destinée Radieuse. Puisque c'est des séries qui peuvent réimprimer à l'infini, j'ai l'impression. Voilà, parce qu'il n'y a pas marqué Soleil et Lune, Épée et Bouclier ou XY par exemple. Magnifique pins. Hein. Le pins que vous aviez vu la dernière fois avec donc, la carte Marshadow. Promotionnel. Et le pins, c'est énorme, hein. Qui est très je mignon. Je pense qu'avec tous les pins qu'on a un jour, on fera des... Concours de pins. Ouais, non, on fera des boosters. Faut qu'on fasse ça, on a pensé à ça. Oh, spécial Mew. Allez, Mew, ça serait cool. Mew, ce serait pas mal. Parce que Mew, elle est jolie, il est bleu, bah, comme il est ça. Shiny, et il est ça. Très très cool. Et Mewtwo, voilà, c'est la famille. Allez, Mewtwo qui est pas shiny, parce qu'en fait, il est pas shiny dans l'extension. Il existe que en GX et en Flart. Il est shiny dans... Alors, du coup, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, parce que c'est du soleil et lune. Ouais, c'est comme maintenant. 1, 2. C'est pas XY quoi. Voilà. Et du coup, là, c'est la dernière. C'est la dernière. Donc, voilà, dans tous les cas, c'est la dernière. Alors, c'est parti. Chaque ripan. Et puis pourquoi pas compléter la collection aussi tranquillement. Bah oui, voilà, exactement. C'est une belle extension. Flamiaou. Chapignon. Les cartes dedans sont cool quoi. Voltorb. Énergie électrique. Pikachu. Oh Snorlax. Raichu. Raichu arc-en-ciel, ça serait plutôt badass. Arbok. Felinferno. Felinferno. Pyrrhonie, qu'on attention... venait d'avoir. Non. On commence avec Zekrom. Une holo, parce qu'il y a une holo dans chaque booster au minimum. Donc Zekrom en holo qui est très très belle. Elle est jolie. Elle est jolie. Elle est jolie. Allez, on continue. Bah, alors, je vais qui va gagner? Je sais qui pas. Qui va gagner? D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que. Il y a une autre extension qu'on aurait bien aimé ouvrir, c'est Génération. Oui. Sauf que c'est devenu vraiment rare. Ouais. Ce qui est bizarre parce que. C'était pour les 20 ans. Ouais. Oui, je crois, ouais. Ce qui est bizarre parce que c'est quand même une extension qui était dans tous les coffrets de l'époque. Il y en avait vraiment, vraiment beaucoup. Chatignon. Oui, Génération, il y en avait Matoufeu. Beaucoup. Ouais. Oh tu comprends pas la Génération et un autre? Non, Génération, c'est les boosters assez épurés avec Florizarre dessus. Ouais, c'est ça, ouais. Pikachu et Dracaufeu.
Posipi. Oui, mais c'était il y a longtemps. Il y avait plein de coffrets, ouais. Oui, en fait, c'était encore une extension qui n'était pas sortie en display. Tu penses que je confonds avec Evolution ? Oui. Mais c'est pas grave, vas-y. Du coup, tu me mets un doute. Bagaïde. Il n'y en avait pas dans les coffrets, quoi. C'était que des coffrets 25 ans, 20 ans, c'était marqué. Oui, c'est possible, ouais. Tilly. Donc tu confonds peut-être. Énergie de distorsion. Et Viridium en holo, pareil. Ça brille pas beaucoup, là. Ça brille pas. D'ailleurs, le lapin s'endort, hein. Oui. Donc, je pense qu'il n'est pas très satisfait de ton ouverture. Ah, oh, hey. J'ai connu des Kim qui paquaient des trucs plus intéressants. Ça se trouve, ce sera dans le deuxième. Non, mais les gens, nous, on est toujours contents d'ouvrir du Pokémon. Bon, ah mince, vous en avez... j'ai inversé. Oui, mais c'est pas grave. J'ai mis l'avant-dernière en avant-avant-dernière. C'est pas grave. Charizard. Air bizarre. Pokémon, il y en a un peu moins sans en termes de booster. Flamiaou. Non, simplement parce qu'en fait, il n'y a pas grand chose de nouveau. C'est ça. Voilà. Donc, on va pas forcer Destiny Radio parce qu'on a fini. On a eu trois fois Dracofeu. Les gens pensent que c'est bon. Peut-être qu'on en ouvrira, mais. Quillfish. Donc, ça, c'est la reverse, mais après, il y a une carte. Oh ah, non. Mais j'ai bien fait le tour. C'est quoi, c'est une GX ? Ah, c'est une GX. Zoroark. Zoroark ! Ouais, ah, c'est non. La seule qu'on a eu. Zoroark dans. Du coup, moi, j'ai un Marshadow. Bah, Zoroark, on l'a vu la dernière fois. C'était la seule GX, je sais que. Ouais. Ah oui, on l'a eu. C'est triste. Ouais. Hein. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est une carte. On commence tout doucement. On commence bien. Parce que oui, dans ces coffrets-là, sur 3 boosters, c'est, pas mal. Allez. Je connais les coffrets où il n'y a rien dedans. Voilà, exactement. Donc, d'ailleurs, qu'on ira peut-être voir à la fin de cette vidéo. Alors, on veut retenter notre chance quand même. On ne peut pas s'avouer vaincu sur ces coffrets. Tiens, on peut aller voir. Attention, vous savez pas ce que c'est comme coffret. Non, mais je le montre pas, je montrerai à la fin. Ah, tu montreras à la fin. Donc on ouvrira d'autres trucs à faire. Oui. Ah, tu t'es coupé. Je me suis coupé, là. Bah bravo. Ça va, je saigne pas. Aïe. Attends, ces coffrets sont difficiles à ouvrir. Ouais, et puis ils sont durs, et du coup je me suis coupé avec le carton. C'est pas comme des cinéma radieuses, là, où vous avez juste à appuyer comme ça sur le côté et pouf, ça s'ouvre. 2 Zoroark en promotionnel. Oui, moi j'ai Zoroark en D'ailleurs, il reste quelques temps pour le concours, les gens. Il reste encore 2 jours, voilà. Si, 3 jours, moi, je pense, parce qu'on oubliera le samedi, mais il y aura 10 gagnants sur les concours des cartes McDo. Donc faut être en rendez-vous. Ah oui, il y a Genesect aussi. Ouais, voilà. Donc il y aura ça, et puis de toute manière, dans la foulée, il y aura un autre concours. Oui. Pas sur McDo, mais sûrement peut-être des cartes, ou, vous verrez. Ou peut-être des mangas, ou peut-être un truc. Voilà. Non, ouais, mais finalement, c'est vrai que c'est une bonne plateforme pour les concours. Je sais que c'est déjà ultra répandu, les concours sur Instagram. Oui. Et on s'est dit, c'est vrai qu'on devrait en faire peut-être un peu plus avec des petits trucs comme Voilà, c'est ça. Et puis en attendant qu'on puisse voyager, vous mettre des belles photos du Japon ou de la Corée. Ouais. Ou vous voir en vrai dans les salons. Dans les salons. Donc voilà. Alors, Gringolem. Donc on est à Disneyland déjà, ce serait pas mal. Oui, ouais, déjà aussi. Bulbizarre à Paris déjà, ce serait encore mieux, tu vois. Ah mais c'est l'illustration de Bulbizarre. Ah, et attends, mais non, mais c'est l'illustration... Ah non, pas de Camus. De Bulbizarre, t'es sûr? Ah oui, ouais. Je crois que c'est ça, l'illustration de Bulbizarre. Ils l'ont pris de ça. Hein. Oui, regarde, il est juste là. Ah si, tu vois, je saigne un peu. Là, regardez, je me suis coupé. Là, regarde, tu la vois là. Et donc, les gens, l'envers du décor... Bulbizarre de McDo, c'est la même, sauf que du coup, le logo graphique est très très cool. Oui. Alors, on continue avec Pikachu. Abo. Feu. Oh, Dracofeu. Mais il n'y a pas de Dracofeu. Une extension sans Dracofeu, c'est incroyable. Oui. Là, ils comptent en faire pas mal des extensions. Ouais, je pense qu'ils en ont marre de Dracofeu. Ils en ont marre que les gens pillent des stocks c'est et possible. Du coup, ils en font plus. Voltorb. Et Palkia. Qui est très belle. Elle est très jolie. Elle est hein, très belle. Très très jolie. Ouais. Bon. On a toutes les holos. Allez, au moins une GX, ce serait cool. Non, au moins une brillante. Ouais, mais les brillantes sont rares. Les brillantes sont plus rares que dans Destiny occulte ou radieuse. Ouais, c'est assez rare. T'as pas l'impression, ouais, c'est une petite carte. Ouais, parce que en fait, déjà, t'as pas l'impression que c'est une carte ultra. Oui, mais c'est une ultra. Flamiaou, Caminus, Limonde, incroyable. Air bizarre. Bulbizarre. Electrode. Super Bowl. Tilly. Bagiguan. Non. Non. Mais j'ai cru, moi aussi j'ai cru. Comme la carte était sombre. Oui, j'ai cru que c'était une carte chère. Et non, je te dis, t'as eu beaucoup de chance, hein. T'as eu beaucoup de chance avec ton Rakugel. Bah ouais. Déjà, t'as eu la meilleure. Déjà, du coup. Oui. Comment on a pu avoir autant de cartes full art dans cette extension? Et depuis, on a voir. Non. Non, mais je sais pas. Bah après, c'est de la chance. Hein. C'est mon dernier booster, hein. Oui. Donc si j'ai rien, j'aurais pire coffret que Kim. Ouais, voilà. T'aurais pu paquer autre chose, comme ça j'aurais peut-être eu de la chance. Et j'aurais peut-être eu quelque chose d'autre. Pikachu, feu, comme Dracofeu, Tilly, Golemastoc, Pyrax,
Bagaïd et le dernier. Oh, Reshiram. Dommage. Bah, bravo. Heureusement que j'ai pris les marchands. Dommage, dommage. Allez, à moi d'ouvrir mon petit. Après, tout n'est pas perdu, les gens. Non, on est à la moitié hein, de légende brillante et on n'est même pas à la moitié de cette vidéo. Parce qu'après, il y a les coffrets. Ah, j'ai peur. Les coffrets pourris. Les coffrets qui font peur. Les coffrets qui. On n'a rien eu de bien dedans. Ouais. Mais on va se donner la moyenne aujourd'hui d'avoir quelque chose. Mais en fait, on s'avoue pas vaincu. Vous verrez, vous verrez. Voilà. Faut rester au rendez-vous. Il peut avoir du drac au feu qui pop. Pop, 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 pop. Hop là. Marshadow 2. Eh ouais, des gens. Avec du. Ah bah, Genesect, mais encore Mew et Mewtwo. Hein, donc, je sais pas ce qu'ils ont. Bah, c'est des beaux boosters à garder ouais, dans ouais. La collection. Si vous arrivez à en avoir des pas chers, même en petite quantité, c'est toujours sympa à garder parce que. C'est vrai. C'est des bons trucs et comme ça, si le jour où ça ressort ou c'est vraiment moins rare, vous les ouvrez sans aucun remords en mode tu l'as pas acheté trop cher. Exactement. Pour ta collection. Exactement. Vous pouvez faire ça, faut mieux acheter des fois des trucs. Quitte à se dire, bon, je vais peut-être les garder un peu pour voir, en termes de collection, pour voir si c'est plus rare ou plus dur à trouver. Oui. Et si tu trouves que c'est pas rare, bah, tu peux en ouvrir un petit peu comme finalement Destinée Radieuse, les gens, les coffrets de cet enfer. Les poutous. Eh, bizarre. Les coffrets de cet enfer, on aurait voulu en ouvrir plus, mais c'est beaucoup trop rare. Et s'ils en sortent plein, on en ouvrira. Oui, mais voilà. Là, j'ai pas envie de cramer les seuls qu'on a trouvés au prix normal. Quoi. Allez. Éleveuse Pokémon. Ou et pas. J'ai eu le même espoir. On dirait pas ce qui est brillant. Allez, on s'avoue pas vaincu comme a dit Vivi. On peut encore avoir bon, un tu truc. Tu peux commencer à t'avouer vaincu. Ah mais bon bah c'est pas aussi bien que la dernière fois, après c'est pas fini. En même temps mais, c'est jamais aussi bien que la dernière fois. Ah bon Zoruya. Quand tu ouvres une fois et que c'est très bien, c'est rarement très bien après. Bah Destinée Radieuse. Pyronie, oui mais ça compte pas. Baguette, Crocodile. Bipoutou, Super Bowl, Bagaïd, c'est vrai bah j'espère, Bagiguan, Marshadow, bah tiens, voilà Marshadow dans le coffret Marshadow. Il me reste un booster. Je ne savais pas que c'était aussi peu généreux. Donc la dernière fois on a vraiment eu de la chance. Je pense que la dernière fois. Ouais, il faut savoir s'arrêter, mais, ouais, mais on en peut fait pas. On est trop optimiste, je crois. Puis on peut pas s'arrêter, c'est trop bien d'ouvrir Pokémon, ça bah fait surtout, tellement longtemps. Surtout quand t'as des cartes aussi stylées, Craig Bazaar et tout comme ça quoi. Alors, Posipi, Bulbizarre, Herbizarre, j'ai l'impression que t'as toujours Bulbizarre, Herbizarre. Limon, il y a Florizarre aussi, en peu Calminus, commune. Florizarre en peu commune. Énergie, Mustéflotte, Arbok, Éleveuse de Pokémon, Attrape Pokémon, Iridium. Sors une petite brillante là. Non mais tu trouveras pas. Hein. Ouais ouais. Le Mew, je dirais, il est assez dur, mais c'est bizarre. Moi, j'ai dit ils sont beaux, les boosters et tout. Ouais, ils sont très beaux. Franchement, c'est une très belle sous-côté, je dirais. Assez sous-côté, ouais, mais parce qu'elle est pas trop disponible en magasin. Oui, non, aussi, ouais. Hein. Aussi. Mais sous-côté. Bulbizarre, Herbizarre, Pikachu. Mustéboué, Kaimi. Herbizarre, Feu. Fée Inferno. Attrape Pokémon. Golem Astok. On va avoir toutes les holos. C'est pas possible. C'est assez triste. Vendons du rêve là. Bah, je fais une Kim, je crois. Ah non, je fais une Guillaume. Donc, non, et moi je fais une Guillaume aussi. On fait tous une Guillaume. On fait tous une Guillaume. Guillaume. Allez, Herbizarre. Allez. Bulbizarre, voilà. Lui, il m'a porté chance. Enfin, une fois. Je vais déprimer les gens si j'ai rien. Et Pebro, Florizarre, voilà, on a la famille. Ah oui, dans le même booster. Ouais. Matoufeu. Ah. C'est assez incroyable hein. Surtout que les premiers on les a vraiment ouverts en mode tiens oui. On a reçu plein pour vendre. Mais non mais c'est pas possible. En fait c'est pas possible, je veux dire, c'est pas du karma à ce niveau-là. Hein. C'est genre juste de l'arnaque. C'est du non-karma. Allez. Crocodile, Bagiguan, Mustéboué, Gringolem, Voltorb. Dans le dernier booster. Tu penses qu'il y a quelque chose? Je sais pas. Ouais, non, il y avait surtout beaucoup de dresseurs. Oui. Oh là 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 là. Oh oui. Attends. Ah oui, on en a une. Yes. Eh, c'est dur les gens. C'est dur. Ah, c'est dur. Attends, blanc. C'est Jirachi, non? Oula. Arkeou. Oh la vache, on a eu des bêtes de Pokémon.
les gens quand on vous dit qu'elles sont dures à avoir. Oui. Ah punaise. On a eu les deux meilleurs. On a eu les deux meilleurs. Non mais c'est dingue. C'est des bestes. Mais cette extension nous porte chance. Bon, ouais. On a forcé un petit peu là. Ouais, mais coup. Là les gens on est contents. Oh la vache. Ah punaise. C'est trop bien. Elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Oh la vache. Du coup il y a une texture sur le Pokémon. Mais oui, mais il est magnifique. Et en fait, on le voit direct à cause de ça, là, de la petite pastille brillante au niveau de l'étoile, en gros. Et Arceus va être mis à l'honneur l'année prochaine, et ça, c'est vraiment cool parce que c'est un Pokémon légendaire sur le côté, je trouve. Ouais. Et bah, c'est super cool. Et d'ailleurs, on a une peluche de Arceus qui est grande comme ça, elle est magnifique. Elle est énorme. Oui ! Arceus en shiny, du coup. En shiny. J'ai envie d'ouvrir cette extension, moi. J'ai pas envie d'ouvrir les coffrets d'Alola, tu vois. Alors. On ouvre un coffret d'Alola. S'il est pourri, on ouvre cette extension. S'il est pourri, on ouvre une. Parce qu'en gros, ouais, c'est ça qu'on ouvre. Vas-y, montre. Ouais. En gros, c'est le coffret Alola. Oh là là, donc, en fait, on en a 5-6, les gens. On a peur. Sauf parce qu'on les a eu en solde à 12 euros. Oui. Sauf qu'on en a ouvert 10, je dirais. Et on a... Il n'y a jamais rien. Rien. Mais rien. Mais même pas, je crois, même pas une visite. Du coup, regardez la famille. Oui. Oh là là, les gens. On a eu les deux meilleurs Pokémon. Il y a du ténèbre embrasé où on peut avoir. Dracaufeu. Il y a du éclipse cosmique où on peut avoir. Il y a du ténèbres embrasé et il y a du ombre ardente. Bah, un ténèbres embrasé chacun déjà. Il n'y a jamais rien eu. Voilà, j'ouvre du ombre ardente, ouvre Eclipse Cosmique. Allez, de toute façon, il y a juste. Ah non, ouvre l'ombre ardente à la fin. Ténèbres embrasé. Arrête de regarder. Je regarde pas. Bah non, mais ouvre-le, tu l'as ouvert. Bah, je sais pas, moi. Ah là là, mais non, mais parce que ténèbres embrasé, on connaît. Ombre ardente, on connaît un peu moins. Ouais, quand même, on commence à bien connaître. C'est 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hein. Ouais, toujours, c'est soleil 1. Oh là là, il va rien avoir. Oui, il y aura rien. Bombidou, Coxie, Talmorph d'Alola. Mais bien, Arceus, c'est très cool. Donc là, si on arrive. Ah, Mykonos, ouais, c'est Miaou, ça Mykonos. Ouais, c'est Miaou, ça Mykonos, c'est trop bien. Ou à Centaurin. Ou à Centaurin. Comme vous voulez. Ou à Bicyclade. Voilà, Bicyclade. Énergie, Aflamana. J'ai envie d'en rouvrir du Jambé, enfin. Après, sinon, pour une prochaine vidéo. Taganemaru. Ouais. C'est... Non mais c'est... Non ouais, mais voilà, voilà. On veut juste retenter en fait, voilà, c'est tout. On va en retenter un, s'il n'y a rien dans celui-ci, on le fait. Parce qu'on voulait en ouvrir deux pour le plaisir en mode, tiens, on va voir, les gens, je vous jure qu'il n'y a rien dans ces coffrets. Si vous achetez ces coffrets pas chers ou pour votre collection, parce Gina que Volt. C'est quand même un coffret exclusif, d'ailleurs c'était Carrefour qui avait ça. Mais, et surtout, il y a des bonnes extensions. C'est Hermes. Le pire coffret ouvert, c'est une catastrophe en termes de quota, je vous assure, pourquoi il n'y a rien. Je pense que c'est des boosters plusés, je sais pas, c'est très bizarre. Reliquante, qui est très mal coupée. Ouais, rien. Non mais on vous le prouve, c'était juste pour retenter, pour avoir un petit peu de... Il y a vraiment pas grand chose et du coup c'est assez frustrant à ouvrir, en fait une fois on a voulu faire une vidéo de ça. Ouais, on en a ouvert deux chacun, trois chacun même. Trois chacun je crois, rien. Mais rien. Je crois qu'on a eu une GX. Non mais c'est la première fois qu'on ouvrait pour rien avoir, mais rien. On était dégoûtés. C'était une catastrophe les gens. Dernier embrasé. Sapeuro, sauf Kipou, Polarume, Hermure, Feuilleton, Clic, Delcati et rien. Et rien, ouais, rien. Voilà, parce qu'il y a rien. C'est... Non, mais je pense qu'on est trop optimiste. Ouais, je pense qu'on est trop optimiste. Après, on est à payer 12 euros, honnêtement. Donc... Ouais, mais c'est pour le coup, s'il n'y a rien dedans, c'est cher pour ce que c'est. Hein. Oui, c'est sûr. En tout cas, si vous avez des coffrets de ça, les gens, ne les ouvrez pas. Oula. Ah voilà. Oh, attends, on a peut-être un truc. Il y a quelque chose peut-être. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Bon, Eclipse Cosmique. Ah oui, t'as peut-être quelque chose. Arrête de regarder. Oui, je regarde pas. Quenton, Galvaran. Oh mon dieu, on va avoir quelque chose. Oh mon dieu. Non, je veux pleurer. Attends, ça dépend ce que c'est. Oui, ça se trouve, c'est pourri. Pyrolique est magnifique. Ouais. Bah, ça va être une... Oh non, ça va être... Oh non. Ouais, ouais, c'est... Oh non. Quoi. Oh, Libégon. Oh là là là. Je crois que c'est la meilleure carte qu'on ait eue dans ce coffret. Ouais. Incroyable, on a eu un truc. C'est pas trop mal. Hein. On s'est dit qu'il faut pas ouvrir les coffrets. Il faut pas ouvrir les coffrets d'Alola. Et du coup, on va ouvrir... Je crois que la Libégon, c'est vraiment le must qu'on puisse avoir. Bah, en gros, j'ai envie... vraiment, on a envie de packer un truc bien. Ouais. C'est-à-dire que... Oui. Alors, on a une très belle carte. Ouais. Mais j'aurais bien aimé avoir déjà deux brillants. Il y a eu un nom de beaucoup. Non, mais ou alors une full art de Raichu. Et bah, ouf. Il y a plein de trucs, donc on va ouvrir. Allez, allez, c'est parti. On tente encore notre chance sur les gens de brillance. Ouais, il y a un petit lapin qui veut voir les cartons. Oui, je vais aller chercher ça, les gens. Caché dans ma chute cachée secrète que vous connaissez. Ouais.
La pièce secrète. C'est la pièce secrète. Où on entasse les ouvertures, les futures ouvertures Pokémon. C'est le... Vous enfin, maintenant, pas rentrer y a... dedans. Non, mais il n'y a plus grand-chose maintenant en Pokémon. On attend, du coup, Reine de Glace, finalement, oui. Avec impatience, parce qu'on se dit... Bah, en fait, style de combat, pour moi, c'était pas la hauteur. Reine de Glace, ça sera sûrement pas la hauteur non plus. Oui, mais ce sera mieux déjà, parce que c'est deux extensions qui sont sorties au Japon. Trois, même. Oui. Rapid Strike... Donc, il va être énorme. Alors, il y a le Maskless Fighter. Ouais. Et après, du coup, Rapid Strike, non, c'était Battle Steel. Donc, ça va être les autres. Là, c'est... Silverland, c'est un autre, je sais plus c'est quoi. Et du coup, il y aura 3 gold Pokémon, il y aura tous les oiseaux d'Alola en version alternative, il y aura des cartes de malades. Il y a Ponyta de Galar qui est magnifique. Non, mais la Ponyta de Galar en alternative. En alternative, elle est dingue. Quand on l'a vu, on a pleuré. Ouais, elle est vraiment très très belle. Allez, vas-y, deux Rayquaza, un petit Mewtwo. Allez, on y croit, les gens. Parce que là, hein... Je trouve qu'on bat plus de choses dans Naruto et Dragon Ball que dans... oui. Oui. Que dans Pokémon en ce moment. Dragon Ball, on a eu de la chance, ouais. Kaiminus. Bulbasaur. Pikachu. Moi, je veux bien Raichuar, quand c'est. Limonde. Rainbow, j'allais dire. c'est marqué Abo, Rainbow, Arc-en-Ciel. Alligator. Alligator, encore plus commune. Tili. Pyronille. Oh. Ça accroche. Une petite carte sympathique. Ah, c'est une GX peut-être. Une GX. Pikachu. Ouais. Elle est trop belle. C'est belle l'illustration de Destiny Occult. Non, elle ressemble, mais c'est pas la même. Elle est plus jolie. Cool. Je trouve qu'il est il est plus agressif sur celle-ci. Pas mal. Ah oui, il est bien. Là-bas, il se rendort. Les gens, comment il peut dormir alors qu'on est en train de faire une vidéo, qu'on fait du bruit? Non, mais c'est surtout qu'il dort, il se relève tout de suite, et puis en fait, bon, c'est nul, donc il se rendort, et direct. Voilà. Ce donc, serait bien si on pouvait se rendormir direct. Il fait des micro-siestes H24. C'est ça. Limonde, Herbizarre, Beaubizarre. Je sais pas si t'auras ta foulard en plus. Hein. Non, mais bon. Après, voilà, c'est toujours pour voir un peu le quota, c'est toujours intéressant. Ouais. Moi, on vous retente. Ouais. Je crois qu'on l'a eu, on l'a jamais eu. Et non, Reiku, qu'on a eu plein de fois. Oui. Non, mais c'est pour tenter, quoi. Voilà. Et puis, petit Raichu, ouais, qui est sympa. C'est ça. Mettre sous pochette juste après. Ouais. Et si vous voulez d'autres légendes brillantes, faut nous dire dans les commentaires parce que nous, on serait ravis d'en rouvrir. C'est quand même une très bonne extension. Ouais, et puis on en a acheté pour ouvrir. Donc vraiment, c'est un truc qu'on. Enfin. On les a eu pas cher, donc en gros c'est vraiment pour ouvrir, pour le plaisir, et puis c'est une extension qui était un peu vieille, mais qu'on n'a pas eu l'occasion de vraiment faire sur la chaîne. Ça c'est vrai, parce que vraiment, c'est au moment où on a un peu arrêté, on avait vraiment recommencé avec Destiny Occult, et du coup comme c'est sorti avant... Ouais. Allez. Oui, bah t'as quand même une carte. Oh, une reverse, elle est sympa. Et... Viridium. Ah, Shamine. Bon, j'ai eu une... Si, j'ai Viridium. J'ai eu une GX, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Oh, donc on a eu... Moi, c'est pas Zoroark. Oui, c'est sûr. Non, pas plus épaisse, c'est bizarre. Bon. Je trouve que Légende brillante nous a plus porté chance que... pour le coup, ouais. Alors, on en a l'air plus, mais... Que les coffrets d'Alola. Que le coffret d'Alola qui était incroyablement nul. Ouais. Et encore, je vous dis, c'est le meilleur des coffrets d'Alola qu'on a ouvert. Je commence par Rayquaza. Voilà, si t'as rien, c'est qu'il faut s'arrêter. Ouais. C'est-à-dire que la prochaine vidéo réservera de la surprise. Du coup, Marshadow sera moins généreux. On a une carte de ouf, les gens. Elle est incroyable. Non, mais c'est-à-dire que Marshadow sera moins généreux que Zoroark. Ouais. Herbizarre. Pour le coup, elles sont vraiment plus sympas que les... je trouve, les Destiny Occult et les Destiny Radieuse. Parce que le fond est travaillé à chaque fois. Oui. Alligator, énergie de distorsion, récupération d'énergie. Léopard. Allez, on y croit. Non. Shamine, Viridium, ouais. On a eu 15 millions. Non mais Viridium, il est, c'est un forceur. Viridium. C'est un forceur, Viridium. I got a pen. Apple pen. Allez. C'était marrant, lui. On l'a vu à Japan Expo. Ouais, c'est vrai. C'est marrant. PPAP. Alors, Pyronille, Charter. Herbizarre, Bulbizarre, Zoruia, Flamiaou, Énergie Feu. Attrape Pokémon, super rappel, un truc. Herbizarre, Palkia. En bleu, c'est Volcanion, donc il est pas très beau, je l'ai déjà. Allez, donne-nous un truc là. Non, mais t'as pas de chance. Non, mais moi j'ai pas de chance. C'est moi qui ai Arceus, c'est fini. Ouais, non, mais c'est fini, ma chance. Je trouve que la chance de Kim a disparu du coup. Ouais, du coup, il faudrait recommencer un duel pour savoir qui a le plus de chance. Ouais. Bah, vous nous dire dans les commentaires, alors plutôt Display Ultra Prisme ou Ombre Ardente. Ombre Ardente. Mustébouille. Ouais, Ultra Prisme ou Ombre Ardente.
Voltor. Ou alors Battle Steel, hein. Mais bon, après... Pikachu. Oh non, pour avoir Moustard en foulard, d'accord. Ouais, ouais. On a ouvert des Battle Steel, c'est... Oui. Je dirais que c'est notre extension... Chris. Je porte ta chance. Mortante, ah oui. Charter. Allez, dernier booster. Oh. Oh, ça colle. Oh oui. Arceus encore. C'est une blague. Non. Non. Sérieux. Ah. Mais ah pourquoi la fin toujours? Mais trop bien. Mais c'est une blague. Finaise. Incroyable ce retournement de situation. Je m'attendais à rien, mais je peux déçu. Je suis très content. C'est énorme. Ah, elle est magnifique. Oh la vache. Ah, mais c'est le plaisir de paquer. Bon, mais c'est non, dommage. Mais non, mais les gens... Mais pourquoi on paque tout en double dans cette extension? Dernière vidéo, c'était deux fois Mewtwo, et là, deux fois Arceus. Mais non, mais c'est pas possible. Faut le faire, quand même. Bah, cool. Bah, cool. Ah, ah très bien. Bah, les deux coffrets étaient mieux, là, du coup. C'est dommage, mais bon, après... Oh, on a ouvert... Attends. J'ai ouvert, j'ai eu la GX. T'as eu la... Ouais, la et on a inversé, en fait. Heureusement que j'ai pas eu 0 arc, hein. Parce que sinon, on aurait vraiment inversé. Incroyable. Du coup, voilà. C'est pas trop mal. On a eu ça ? Non, les bégons. Mais du coup, en 4, en 4, on a eu ça. Ouais, mais ça, c'est ultra rare, ouais, par ça, rapport c'est à, par exemple, ça. Neuil de brillant. Et puis, Arceus, hein, les gens. Bon. Allez, on va voir Arceus de brillant prochaine vidéo. Allez, allez. Non, mais... Allez. Alors, on revérifie juste avec vous, Vizef. Oui, parce que, en fait, le problème, c'est que je sais plus trop... Oui, ce qu'il y a en... En carte à avoir. Ouais, voilà. Genesect, Volcanion qu'on a eu qui est quelque part, Mew, Jirachi, Rayquaza, Arceus. Donc en fait, les bests qu'il faudrait qu'on ait quand même, c'est Genesect. Mew. Ouais, bah toutes. Hein. Bah toutes. Hein. Toutes, mais Mew, ça serait bien la prochaine ouais, fois Mew, parce que c'est une bien, belle ouais. carte. Et ouais. Pourquoi pas Entai, Rachu aussi. Il y a Mewtwo Arc-en-Ciel. Et donc ce Mewtwo-là que j'ai aussi dans la collection ouais. Qui est une secrète et qui est assez incroyable, qui est une full art, elle est ouf. De la chance, hein, parce que deux fois Arceus, ouais. Arceus, 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 comme vous comme voulez. Voilà. Nous on dit Arceus. Arceus, ouais. Je sais pas comment on dit. Non, mais anglais, on dit à la latin. La latine. Arceus. Arceus. En tout cas, voilà. Vas-y, dis un truc en latin. Fiat Lux. Fiat Lux, voilà. Fiat Lux, Arceus. Voilà, c'est ça. En plus, et... ça va bien ensemble. Ouais, ça va bien, ça fait un peu lumière et tout. Mais ouais, très exactement. Très cool, les gens. Bah, hey, on est au nombre de 3, bon, une double, mais du coup, on espère avoir bah, les 5, ça sera un objectif. Bah ouais, voilà, c'est ça. En tout cas, faut pas hésiter à mettre un maximum de pouces bleus. On vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Guimet qui m'a allez, salut!